Salut les mecs! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au circuit. Ouais, ça marche bien, ouais. Kit 79, top, allureuse, fonte. Ouais, bah oui, hein. Qu'est-ce que tu crois, mon gars? Quand tu prends toutes les connaissances que t'as dans ton cerveau, ça fait ça. J'espère que vous allez bien, les mecs! Et aujourd'hui, les mecs, j'ai sorti la doudou de mon gars. Mon gars, là, c'est... Ah! C'est l'hiver, c'est net! Et les méga chaussettes, mon gars. Alors là, si j'ai pas un flow aujourd'hui, je comprends pas. Hein. Vous aussi, vous avez ça sur votre bécane, regardez. C'est que quand t'accélères que la lumière, il y en a plus. Promis, je suis une grosse sale. Prochaine vidéo, il y a pas un son de ouf. Eh putain, il est bien long son camtar. Wesh, frère. Allez. Wesh, mais c'est quoi l'équipe ici? Wesh, c'est l'équipe des culs cassés ici. Oh là là, c'est beau ça. Maman. Il fait moins 72 milliards de degrés, c'est pas confortable. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous les mecs, on va faire de la rénovation. Et là, tu te dis quoi? Léo qui va faire de la rénovation? Allez-y. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, mademoiselle. Après, c'est un Snap ou Instagram, ça peut plus ou moins y jouer, tu vois. Ok, c'est parti, avec la Fiat 500. Allez, on y va. Mais non, elle y va pas, bordel, elle y va pas, non. Bibi boum. Le genou. Du coup, aujourd'hui, les mecs, c'est rénovation. Là, je dépose les colis des abonnés. Et après... Oh putain, par contre, c'est quoi le monde? Ah ouais. Et après, c'est... On va évaluer si je suis vraiment dans la merde ou pas. Parce qu'en fait, ma 50, j'en ai pas pris soin de ma ligne d'échappement. Donc, c'est un bordel. Du coup, on va essayer de sauver tout ça. Et comme je sais que vous êtes plusieurs à me le dire à chaque fois dans les commentaires qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela... Bah je vous écoute, pour une fois. C'est bien ou pas? Je pense que c'est bien, c'est une bonne chose. On va la remettre à neuf, mon copain. J'aime bien en noir comme ça, je sais pas, je trouve elle a un petit flow. Genre là je suis un mec, moi j'ai pas de soucis à conduire ça. Je sais qu'il y en a plusieurs, ils sont pas à l'aise en Fiat 500, frérot. Elle croit qu'elle m'a mis une avance. Derby vs Fiat 500 dans la courbe. Oh mon gars. Et là, sortie de courbe. Pleine puissance. Ah ouais mon gars. Proco, elle a cru qu'elle avait pris la derby là. Elle en a encore sous la poignée hein. Ah bah frérot, elle a pas voulu faire la course je crois. Elle s'est trompée de route. Tout le temps c'est des meufs qui sont le genre de caisse de toute façon. N'hésitez pas à souscrire à un abonnement, c'est gratuit hein. Donc faut en profiter. Attends, pourquoi il clignote? J'ai pas vu ça à l'auto-école moi. C'est quoi ce bordel? Non. Je rigole, c'est une faute éliminatoire au permis ça. Ah ouais attends, on saute à celui-là. Oh. Bon bref, je vais déposer les colis des abos. Parce que vous êtes trop gentils, en vrai de vrai, j'ai reçu là les commandes. Du coup là, direct avec moi, on va préparer la commande de Hugo. Donc merci à toi, c'est un abonné. Hop, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la pochette. J'en ai commandé 100, j'ai commandé que 100 pochettes. Et en vrai, non, ça va, il m'en reste. Du coup, une fois que j'ai la pochette, je fais quoi? Je vais imprimer le bordereau. Bah oui, il fallait bien acheter une imprimante si je voulais vendre mes vêtements. C'est simple, celle-là, je l'ai demandé à Noël. Et du coup, voilà, j'ai eu une imprimante pour Noël. Elle fait même un scanner, mais je m'en sers pas du scan. Et du coup, là, je vais envoyer avec mon téléphone le bordereau. Et je vais vous montrer, il va sortir juste ici. Et bien sûr, quand je décide de faire une vidéo, il n'y a rien qui fonctionne. C'est quoi ce bordel? Regardez, c'est juste là. Allez, donne-le-moi. Mais non, il a pas fini d'imprimer. Mais... Bon, du coup, je suis allé récupérer le bon polo. En fait, c'était une taille S qu'il avait pris et moi, j'ai pris une taille M. Du coup, voilà, avec la petite pochette d'emballage. Et regardez, en claquant les doigts, ça peut faire bam et s'emballer. Malheureusement, la magie du montage le fera pas. Mais techniquement, ça doit marcher comme ça. Et regardez pas, c'est mes cours, ça. Bah oui, terminal, les mecs. Fou. Hop, vous regardez pas ces secrets. Là, je viens d'emballer la commande d'un abonné. J'ai une deuxième commande qui est juste là-bas. Ça va partir. Et du coup, voilà. Bon, malheureusement, j'ai oublié de vous filmer quand je l'ai mise, mais c'est pas grave. Voilà, je vous en parlerai un peu plus de pourquoi je vends tout ça, les mecs. J'ai un projet de fin d'année et je sais pas. En fait, j'ai pas trop envie d'en parler parce que si j'en parle et que je le tiens pas, ça va me faire mal parce que ça me tiendra à cœur de le faire. Et tu vois, on n'en parle pas pour pas porter l'œil. Mais si vous voulez me soutenir, moi, je demande pas d'argent ou quoi. On fait pas de cagnotte. Juste, ce que je fais, c'est que je vends mes vêtements. Voilà, le lien est en description si vous voulez en profiter. Les tarots sont abordables et négociables. T'as capté, si t'es de la famille, t'as des petits stickers. Et là, je vais vous faire imprimer, les mecs, des photos personnalisées et des cartes cadeaux à glisser dans les commandes. Sympa, non? Enfin, en vrai, je m'attendais pas. Moi, j'ai mis ça comme ça. J'en ai parlé deux fois. Et il y a eu plein de commandes, hein. Donc là, j'essaye de faire un truc un peu plus quali pour les prochaines fois. Et au moins, on se fera un vrai truc. Moi aussi, j'y vais. Toi, tu vas où, frérot? Tu vas là-bas? Ok, nickel. Hop, regardez. Hop, je me gare. Bon, allez, je vous reprends. Eh, hey, il est chaud, frérot. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais. Ah lui il avait pas le temps. Et bien sûr ça passe pas hein, bah non. Eh, c'est quand même plus beau sans rétroviseur hein. Je suis désolé mais ça a du style hein. Bon par contre faut les mettre hein. Malgré que ça serve à rien. Enfin frérot d'avoir un truc comme ça pliant ça sert pas à grand chose. T'es obligé. Bon c'est bon les colis sont partis. Dans 48 heures ils sont chez vous. Merci en vrai de vrai. Merci ça fait plaisir.
Mais du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé des petites cartes des photos personnalisées, voilà. Et des cartes cadeaux pour ceux qui commandent. Et au moins je leur glisse ça, enfin c'est des cartes cadeaux en gros. Ils vont me donner, bah en fait je le dis pas parce que ça... c'est ceux qui vont commander qui auront la surprise, hein, attends. Eh, hey, y'a personne, on peut y aller. Bon, comme d'hab, il est 16h30, il fait noir. Et là, c'est parti pour la rénovation. Je voulais faire une vidéo full garage parce qu'en plus, j'avais des pièces à changer. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même vous sortir et vous balader. Et donc, comme moi, je devais sortir, bah autant vous prendre le petit stop. Et on repart tranquillement. Tu passes la vitesse tranquillement. Oh, elle est au bout de sa vie, elle. C'est quoi ça, bazar du coin? Bon, je connais pas trop les routes ici, hein. C'est pas mon domaine, toutes ces routes là. Ah, mais si, je connais. Souvent, moi j'arrive de là-bas comme un gros taré. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je pense que ma ligne est morte. 1,73, wesh. Non, par contre, là, on est vraiment sur des dingueries, frère. Le prix de l'essence, c'est. Il va passer orange. Je le sens. Ah non, c'est bon, j'ai eu de la chance. Si jamais tu penses qu'il va passer dans le orange, ce que tu fais, tu rétrogrades. Eh frérot, et t'y vas, quoi. Et tu passes au vert. Ouais, si jamais il y a une petite Yaris devant toi, là, bah, je sais pas, tu fais des appels de phare, tu la pousses. Du coup, ouais. En gros, à cause du sel qu'il y a sur la route, quand moi je roule, il y a du sel qui se met sur mon pot. Et je pense que ça, c'est pas du tout bon. Et donc, là, faut que je prenne de vos conseils pour refaire la ligne. Oh, s'il faudra 50 Factory de nous la retaper. Non, je veux le faire de moi-même et qu'elle soit toute pimpante, frérot. J'avais 40 fois le temps d'y aller. Last Christmas, you see to my height. Mais du coup, avant de faire tout ça, pour faire le diagnostic, il faut aller laver la bête. Wesh. Là, on va aller laver la bête. Ça serait con de se taper une 407, frérot. Encore, ça serait une 488. Non, pas une 488 parce que ça me coûterait trop cher. Et là, je serais endetté à vie, frérot. Wesh, les pavés ici. Je sais pas, vous avez vu un peu la boiserie, le concours là, les mecs? C'est quoi ce monde là? Attends, moi je vais vraiment faire la pute, payer. Oh, regardez, il y a un TT. Oh, il est beau. Non, je vais pas faire la salope et attendre et payer. Bah, déjà, je dois payer, ça c'est sûr. Mais faire la pute et attendre, ça me plaît pas beaucoup ça. C'est quoi ça? Hey, t'es chaud patate. Frérot, achète un roof. Ça sera mieux pour toi. Bon, on va aller faire un diagnostic sans la laver. Parce que vas-y, frère, soit je peux passer dans l'eau. Et hey, toi, t'es une. Oh ouais, petite mademoiselle ça. Regardez le tété là, moi il est beau. Last Christmas. Pourquoi il y a un stop ici, frère? Il veut stopper quoi, le couz? Qu'est-ce qu'il veut stopper? Aïe. Bon, il y a trop de buée, je vois rien. On enlève la buard. Est-ce que je vais pouvoir faire un tout droit? Voilà, on va aller faire le jag. On va aller faire le jag près d'ici. Au moins après, on a juste à aller là-bas. Ah ouais, regarde. Eh, c'est parfait ça, c'est la machine à laver. Mais déjà 50 piges. Attends, là je suis en train de raisonner comment je vais faire pour y rentrer. Hop. Regarde. Bam. Et je vais vous montrer. On va passer sur le téléphone. Je vais faire une petite photo Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Hein, parce que ça aussi c'est gratuit. Et après, je vais faire un OnlyFans là pour vous mettre des photos de mon cul. Oh, je vais tomber sur ça. Je comprends pas, frérot, je suis venu là pour laver la bécane là, mais c'est... Il est bizarre le truc, non? Il est pas un peu... Ouais, bizarre, c'est quoi ça encore? Bon, du coup, les mecs, je me protège. En plus, je me suis coupé les cheveux aujourd'hui, je me suis fait plutôt beau gosse. Notez le dégradé. Ah ouais, attendez, oh, c'est tuning. Attendez, je peux vous montrer? Ah non, vous allez pas voir. Il avait fait une jeune ligne, frérot, sur sa 407. Non, 406. Horrible. Bon bref, revenons à nos moutons et au problème de la moto. Je vais direct vous montrer. J'en ai profité un peu. J'ai trouvé le décor assez sympathique. Hein. Vieille station lavage pour vieille moto toute dégueulasse. Regardez ça les mecs. Là, je pense qu'il y a un problème général et que vous allez être d'accord avec moi. Là, on est vraiment sur de la catastrophe. Hein. Et pour une fois que c'est pas putaclic, eh, là, vous êtes obligé de dire que j'ai raison. Hein. Ça va pas faire le focus, hein. 1300 balles le tel. Wow. Regardez les mecs, le carnage. Oh là là. Je pense que là, vous êtes en train de pleurer. Non, plus sérieusement les mecs, je pense que là vraiment j'ai déconné. Oh, regardez. Oh, regardez. Ouais, merde. Ce carnage visuel, j'aime pas voir ça. Alors là, à ce qui paraît, ça serait du coup le sel que je vous ai dit. Mais là, c'est de la rouille pure, frère. Et j'ai l'impression que ça va transpercer, vraiment. Je vous promets que j'ai peur que ça transperce. Ma ligne était neuve, je l'ai eu neuve. J'ai même pas fait 1000 km avec. Hein. Mais là, regardez. Regardez le carnage. Là, on dirait que j'ai une... Oh, je me suis fait le genou. Une fois, je vous raconterai l'histoire où je suis allé chez l'ostéo et qui m'a dit que j'avais pas du tout un corps d'un mec qui avait 17 ans, mais plus 30 ans. Yasuni Racing, tout beau. Des belles soudures. Il était vraiment propre, il était vraiment nickel. Mais là, on sait c'est pas ce qui s'est passé, frère. Là, je sais pas ce qu'il fallait que je mette dessus, mais regardez. C'est pas... Ça part pas en plus, hein. Bon, là, ça va, c'est de la poussière. C'est sale. Mais là, j'ai peur que ça parte pas en la rouille.
Donc là, bah, je vais prendre tous vos conseils, hein, parce que là, faut pas rester que ça, les mecs. Hein. Je pense que là, déjà, j'ai trop tardé avant de réagir. Voilà, je pense que j'ai clairement trop tardé avant de réagir. Et je sais pas pourquoi. Je pense que... Est-ce que c'est réparable, ça, les mecs? S'il vous plaît. Parce que là, frérot, on va te faire une méchante miniature. Épave, je te jure, là, elle est épave. J'aime pas la voir comme ça. Déjà, bon, sale, sale, c'est bon. On pardonnera l'effet qu'elle soit sale, parce que vous êtes habitués sur la chaîne. Frérot, elle a fait tout. Elle a monté le Mont Chiliade. Non, frérot, j'ai monté des terrés avec ça. Ça, qu'elle soit sale, on s'en fout, tu vois. Ça part et tout, tranquille. Mais ça, oh, ça... Ah, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Hein. Pourquoi là, il y en a pas d'ailleurs? Moi, à chaque fois que je roulais, je la prenais, je rentrais chez moi. Et je la posais. Et comme dans mon garage, il n'y a pas de chauffage, je sais pas si vous, chez vous, il y a un chauffage, mais moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chauffage dans le garage, frérot. Donc, Ikaï, donc t'as vraiment pas envie d'aller dans le garage. Je te jure, même si t'es passionné, t'as pas envie d'aller dans le garage. Bah, en fait, le temps passait, je me suis dit, tiens, je me mettrai la semaine prochaine. Frérot, on a que deux jours de week-end dans la semaine. Et le résultat est que. Merde. Ah là, franchement, j'ai déconné. Hein. Donc, en fait, première étape, je me suis dit, on va aller au lavage. On va essayer de voir, il y a quoi qui part. Mais je pense qu'en vrai, même le lavage, ça fera rien. Il faut direct que j'aille au chiffon pour. Regardez comment elle était avant. Elle était magnifique. Regarde, elle était magnifique. Et là, là j'ai l'impression que ça va faire des trous. Hein. Regardez là-bas, j'ai vraiment l'impression que ça va faire des trous. Là, franchement, on est parti sur une derby pas en très bon état, là, frérot. Du coup, les mecs, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça c'est réparable ou pas. Parce qu'en vrai, elle a de la gueule. En vrai, elle est belle comme ça avec les détails rouges. Elle est fumante, non? Et là, avec la housse de sel qui va être posée très très prochainement, ça va être vraiment beau. Mais c'est juste que là, ça gâche tout en fait. Ça gâche tout. Donc dites-moi si vous avez les techniques de grand-mère. Tu sais, les techniques, personne ne les connaît, mais tu vas mettre du jus de citron mélangé avec du lave-vaisselle. Ça va te sortir un truc magnifique tout propre. Mais j'ai vraiment envie d'en prendre soin parce que vous savez, c'est bientôt la fin. Pas la fin de la chaîne YouTube, t'es con quoi. Sinon, je pourrais plus acheter de moto. Mais ça sera la... Ça sera... Le début d'une nouvelle aventure, je vais avoir le permis, je vais pouvoir aller chercher des bolides, je vais avoir un local, hein. Non, vas-y, allez, bonne journée les mecs. Oh, la boiserie, qu'est-ce que tu fais là, frérot? Et au passage, le concours de la boiserie, très méchant, très 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 méchant. La résonance est sympa. Bon, allez, on va repartir sur la bécane pour en discuter et aller se faire 2-3 petits tunings face à des MT7, frérot, mais là... Là, va vraiment falloir qu'on trouve une solution. Enfin, que je trouve une solution. Frère, c'est quoi toutes ces caisses qui passent au-delà? Eh, beau gosse. Et un dernier golf. Nickel. Mais wesh, ils sont chauds ce soir. Eh, y a quoi le... Y a quoi? Y a confinement là? Faut rentrer ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Ok, bon, allez, on repart sur la moto. Bon, allez, on va dégarpir de là. C'est la mafia espagnole qui arrête pas de passer depuis tout à l'heure. Non mais je te jure, du Cayman, une 911, un Cayenne, frérot, un RS3, il se passe quoi ici? Ils ont tous gagné le loto ou quoi? Bon, je vais quitter ma jeune station de lavage qui dort là depuis je sais pas combien de temps. Oh, regardez, mais c'est quoi ce... Il est beau. Oh, regardez ces jantes, elles sont belles. Oh, il a des belles jantes. Oh, je suis jaloux. Là, tu vois, pour là vraiment, je suis jaloux. Là, il a des jantes, frérot, elles sont magnifiques. On va pas se mentir, ces jantes sont belles. Bon, allez, prends ta direction, là, le cycliste fou, là. Bibi, 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 bibi. Il a voulu faire la course avec son vélo, non mais là ça a plu, là on a atteint quelque chose, là quand même. Bah, biboum. Allez-y mesdames, allez-y messieurs. Ah bah, y'a un truc qui claque dans sa caisse, frérot. Hein. Moi, je suis pas mécanicien. Mais juste au bruit, y'a un truc qui va pas. Non mais là, y'a le retour du couvre-feu, là, c'est pas possible. Oh, c'est Patrick. Qui a la rêve de Patrick? Putain, sa mère. J'y vais, là, bah oui, 15 fois même. On pousse les rapports, on exploite la mécanique. De Baus, si, débile, de Baus. Non, en vrai, je suis dégoûté pour le pot. Parce que, frérot, là, j'ai déconné, là. Là, j'ai déconné. Mais comment vous faites, vous, pour que vos pots, ils se transforment pas comme ça? Ça veut dire une fois par mois, t'es là, tu vas le nettoyer? Parce que moi, le pot de la KTM, jamais il a rouillé. Alors que Dieu seul sait que je le... Hein, dans la boue, mais il a pas rouillé. Et là, le jeune Yazuni Aircross...
rouille. Je suis outré. Non mais je suis désolé. C'est quoi ça? C'est pas du professionnalisme. Ah, ils luttent. Ah oui, ils font de la self-défense. Moi je vais aller me self-défoncer. Non mais en vrai je pense que c'est rattrapable de ouf. Parce que regarde, il y en a, je suis sûr, ils achètent des pots d'Oka sur le bon coin, ils les retapent et après ils les installent. Je pense que c'est rattrapable de ouf. Alors lui, s'il pouvait rentrer dans son salon avec sa caisse, il l'aurait fait. Hein. Hey, il caille, hein. Faut vite rentrer à la baraque. Parce que là, ça caille. Hein. Et je parle pas des chaussures. Hein. Toi, c'est le jeune rond-point invisible. Et dire que au début, dès que j'ai eu ma moto, regardez, mes premiers motovlogs, les mecs, c'était comme ça. Oh là là, ouh, on a fait une accélération. On est à 30 km/h. Ouh là là, frérot, nous sommes des délinquants. Je te jure, j'étais là. Allez, on va passer la vitesse. Allez, hein, on passe la quatrième. Waouh, 40 km/h. Non, mais en vrai, je... Waouh. Moi, je flippais de la casser la bécane. Hein. Maintenant, frérot, on pourrait te la tordre et te la labourer à 4000 tours minute, il n'y aura aucun souci. Bon, en vrai, c'était une petite vidéo courte hein, aujourd'hui. Hein. Mais vrai, c'est un vrai problème. Hein. J'ai eu une intuition de pas y aller. Parce que la voiture là-bas, elle freinait, c'est-à-dire qu'elle devait laisser passer une voiture. Donc potentiellement qu'un danger arrivait sur moi. Quand tu prends le virage comme ça et qu'après t'es comme ça en 50, pour que ça accélère. Hop, hop, hop. Là, tu pries pour qu'il n'y en a pas un qui te... Hop, stop. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit.